à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une veste de naissance au crochet. C'est un modèle très facile, très rapide et très économique à réaliser. Vous pouvez bien évidemment agencer les couleurs comme vous le souhaitez. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai utilisé le fil Elann Baby de chez Lou Passion. Tous les liens utiles sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez retrouver l'intégralité de mes fiches de réalisation en format PDF. Avant de débuter ce tutoriel, sachez que vous pouvez retrouver sur mon site internet lecrochetdeplume.com toutes mes fiches de réalisation en format PDF. Pour réaliser ce tutoriel, donc cette magnifique petite veste layette, on aura besoin de 3 pelotes d'Elann Baby. Du coup, moi j'ai utilisé 2 pelotes écrues et une pelote couleur beige, mais vous pouvez très bien sélectionner les couleurs de votre choix sur le site. Lou Passion vous en propose une très jolie gamme. Au niveau du crochet, j'ai utilisé un crochet taille numéro 2 et 3 petits boutons acryliques, 4 trous, 10 mm, donc 1 cm de diamètre, et j'ai utilisé la couleur grise. Mais pareil, sur le site, vous pouvez retrouver pas mal de jolies couleurs comme ceci. Donc moi, j'ai opté pour cela, mais vous pouvez très bien adapter en fonction de vos goûts. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine. Optionnelle, vous pouvez utiliser un petit mètre de ce type, ils sont super sympas, et d'une paire de ciseaux. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes fiches de réalisation, voilà comment elles se présentent. Vous pouvez très bien, comme moi, les relier ou les mettre dans un classeur ou tout simplement les consulter sur votre tablette. J'essaye vraiment d'être le plus précis possible au niveau des explications écrites, sachant que pour tout le visuel, vous avez la partie vidéo. Au niveau des mesures, donc du haut jusqu'en bas, on est sur 23 cm. Au niveau de la largeur prise en dessous les bras, on est sur 21,5 voire 22 cm. Et pour une manche, du coup, du bord jusqu'à l'aisselle, on est à 10 cm, voire 10,5 plutôt. Et jusqu'à l'encolure, on est à entre 20,5 et 21 cm. On commence par réaliser un nœud coulant et on vient faire une maille chaînette de 52 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 52. On ajoute une maille en l'air supplémentaire. On pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Un jeté au même endroit, on fait de nouveau une bride. Si vous débutez le crochet, je vous conseille fortement, après vous faites comme vous voulez, de venir mettre un petit anneau marqueur sur la première bride. Donc là, 1, 2. Comme ça, à chaque fois, vous saurez où débute chaque rang et où se termine chaque rang grâce au marqueur. On va en mettre un à chaque fois au début et un à la fin. Donc, on a fait une augmentation dans la première maille, une maille en l'air, un jeté. On ne saute pas de maille, hein. Attention, on ne vient pas piquer dans la maille suivante, on pique directement ici, dans la deuxième maille. Et on vient réaliser 14 brides. 1, 2, 3, 4, et 14. Une maille en l'air. Idem, on pique directement dans la maille suivante et on vient faire 22 brides. 1, 2 et 22. une maille en l'air, à un jeté, on pique directement dans la maille suivante et on vient réaliser 14 brides. 1, 2 et 14. Une maille en l'air et dans la dernière maille ici, on vient faire 2 brides. 1 et 2. Donc là, hop, les 22 brides ici vont correspondre à la partie du dos. Vous voyez? Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans la veste, hop, on va donc descendre comme ceci au fur et à mesure. Donc là, pour le rang numéro 2, je prépare mon petit marqueur. Vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est juste que je trouve que c'est vraiment plus facile, surtout quand on travaille avec du fil fin et un crochet un peu plus fin, de vraiment avoir des petits marqueurs pour être sûr de ne pas se tromper. Pour le rang numéro 2, dans cette configuration-là, directement, et sans faire de maille en l'air, on vient piquer directement dans les deux brins de la dernière bride du rang précédent. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme la première bride. Voyez? Et au même endroit, on vient faire de nouveau une bride. Donc on vient de faire une augmentation. On remet le petit marqueur, donc 1 et 2, pour être sûr de ne pas se tromper. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Dans l'espace ici, voyez, qui s'était créé quand on avait fait une maille en l'air, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, et de nouveau à l'intérieur ici, une bride. Puis on va venir travailler 14 brides en piquant toujours dans les deux brins. 1, 2 et 14. Arrivé dans l'espace ici, on refait la même chose. Et on fera ça sur tout le rang numéro 2 dès qu'on sera dans un espace. Une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté, une bride. Puis on reprend avec 22 brides. 1 et 22. On arrive dans l'espace, on fait donc une bride, 2 mailles en l'air, une bride. De nouveau, on vient réaliser 14 brides en piquant toujours dans les deux brins. 1 et 14. Arrivé dans l'espace ici, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Il nous reste 2 mailles à travailler, 1, 2, et on va faire une bride. Et là où on a notre marqueur, on l'enlève et on fait une augmentation. Donc on fait 2 brides. Pour le rang numéro 3, on commence toujours de la même façon. On pique directement dans les deux brins de la dernière maille du rang précédent. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. Et au même endroit, une augmentation. On remet notre petit marqueur au niveau de notre première bride. Et on vient faire 3 brides. On pique dans les deux brins. 1, 2. Et 3. Arrivé dans l'espace, on va faire 2 brides, 1 2, 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et au même endroit, on vient faire de nouveau 2 brides. 1 et 2. On fait ensuite 16 brides en piquant toujours dans les deux brins. 1 et 16. Arrivé dans l'espace, de nouveau 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 brides. 1 et 2. On vient ensuite réaliser 24 brides. 1 et 24. Arrivé dans l'angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2. Et de nouveau dans l'angle, 2 brides, 1 et 2. De nouveau, on vient réaliser 16 brides. 1, 2, 15. Et 16. Dans l'angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides, 1 et 2. Et ici, sur le dernier côté, on vient faire 3 brides, 1, 2, 3 et dans la dernière maille, on vient réaliser une augmentation. Donc on fait 2 brides dans la dernière maille. Pour le rang numéro 4, toujours de la même façon, on commence par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride, au même endroit, une bride supplémentaire pour une augmentation. On vient repositionner notre marqueur sur la première bride et on vient réaliser 6 brides. Arrivé dans l'angle, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, 1 bride. Puis, on vient réaliser 20 brides en piquant toujours dans les deux brins. 1 et 20. Dans l'angle, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air et de nouveau une bride. Puis, on vient réaliser 28 brides. 1 et 28. Dans l'espace, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, 1 bride. Puis, on vient crocheter 20 brides. 1 et 20. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, 1 bride, 6 brides, 1 et 6. Et dans la dernière maille, une augmentation. Pour le rang numéro 5, cette fois-ci, on ne va pas commencer en faisant d'augmentation. On vient juste faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Et au niveau de la maille en l'air, on met notre petit marqueur. Et on vient faire 8 brides supplémentaires. 1, 8. Arrivé dans l'espace, on fait 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et de nouveau 2 brides. 1, et 2. On fait ensuite 22 brides. 1 et 22. Arrivé dans l'angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 brides. 1 et 2. Puis on enchaîne avec 30 brides. 1 et 30. Arrivé dans l'espace, de nouveau, 1 bride, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 brides. 1 et 2. On reprend avec 22 brides. 1 et 22. Dans l'angle, de nouveau 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et on termine avec 9 brides, 1 et 9. Pour le rang numéro 6, on va recommencer à faire des augmentations au début, enfin une au début, une à la fin. Donc on pique directement, on fait une maille serrée, une maille en l'air, au même endroit, une autre bride. On vient mettre notre petit marqueur sur la maille en l'air de la première bride. Puis, on vient réaliser 10 brides. 1 et 10. Dans l'espace, on vient faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on reprend avec 26 brides. 1 et 26. Dans l'espace, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on enchaîne avec 34 brides. Donc, 1, 33 et 34. Arrivé dans l'espace, de nouveau, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on reprend avec 26 brides. Et 26. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on termine avec 10 brides suivies d'une augmentation. Et dans la dernière maille, une augmentation. Pour le rang numéro 7, on commence par une augmentation, donc une maille serrée, une maille en l'air, et dans la même maille, une bride. Et on vient remettre notre petit marqueur sur la maille en l'air. Puis, on enchaîne avec 12 brides et 12. Dans l'espace, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Puis, on enchaîne avec 28 brides et 28. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Puis, on enchaîne avec 36 brides. 1 et 36. Dans l'angle, une bride, une maille en l'air, une bride. Puis, on reprend avec 28 brides. 1 et 28. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Puis, on termine le rang numéro 7 avec 12 brides et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Pour le rang numéro 8, on commence par une augmentation. On remet le petit marqueur. Puis, on vient faire 14 brides. 1 et 14. Arrivé dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on reprend avec 30 brides. 1 et 30. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on enchaîne avec 38 brides. 1, 38. Dans l'angle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on reprend avec 30 brides. 1 et 30. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et on termine le rang par 12 brides et une augmentation dans la dernière maille. Pour le rang numéro 9, donc on débute toujours par une augmentation, donc une maille serrée, une maille en l'air suivie d'une bride dans la même maille. On met toujours le petit marqueur dans la première maille et on vient réaliser 16 brides et 16. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on repart avec 32 brides. 32. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et on reprend avec 40 brides. Et 40. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride, et on reprend avec 32 brides et 32. Dans l'espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, puis on vient réaliser 16 brides et on termine par une augmentation. À la fin du rang numéro 9, on va mesurer donc en repliant comme ceci le haut de notre ouvrage. Et on va mesurer, normalement on doit avoir 11 cm. Vous voyez, d'un bout à l'autre, 11 cm. Pour le rang numéro 10, on va unir sous les bras. On commence le rang numéro 10 par 19 brides. Donc on pique directement dans la première. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On met notre petit marqueur. Et au total, donc on fait 19 brides. 1, 18 et 19. Dans l'angle ici, on va venir faire 2 brides. 1, et 2. On va sauter toute la partie ici, voyez, qui va correspondre à la partie en dessous du bras. Et arriver à notre deuxième angle. Donc là, on a un angle et on va venir donc directement travailler comme ceci. Voyez, vous pliez, on fait un jeté et dans l'angle, on vient directement refaire 2 brides. 1. Et 2. Voyez? Et on va repartir donc sur un rang complet de brides jusqu'à arriver à notre angle numéro 2. Donc là, moi, je vais venir faire 42 brides en piquant toujours dans les deux bras. 41, 42. De nouveau, dans l'angle ici, on vient faire 2 brides. 1. Et 2. On saute toutes les brides ici jusqu'à arriver à l'angle suivant. Donc de nouveau, on plie. Voyez, vous mettez dans cette configuration-là. Un jeté, on pique directement dans l'angle ici, dans le deuxième angle, et on fait 2 brides. 1 et 2. Oups. Et 2. Et on reprend avec 19 brides. On va entamer le rang numéro 11. Donc là, à ce stade, comme vous pouvez le voir, on a uni, on a nos petites manches, nos petits bouts de manches qui sont formés. On va venir donc faire une augmentation au début. Là, dans les deux mailles de jonction ici, une augmentation, des brides, une augmentation, des brides et terminer par une augmentation. Donc, hop, on retire le petit marqueur et on commence donc par une augmentation. Je fais une maille serrée, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Puis, on va venir faire 19 brides et 19. On arrive au niveau des deux mailles qui sont vraiment en dessous des bras. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces mailles. Donc, on fait deux brides dans la première et de nouveau deux brides dans la deuxième. Puis, on va venir faire 44 brides. 44. De nouveau, dans les deux mailles ici et ici, on vient faire une augmentation. Donc, une augmentation suivie d'une seconde augmentation. Et on termine par 19 brides. Et dans la dernière maille, on fait une augmentation. Pour le reste, on va venir travailler les mailles donc à partir du rang numéro 12, toujours telles qu'elles se présentent à nous. On va faire à chaque fois une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc normalement, si vous faites exactement le même modèle que moi, vous devez tomber à chaque fois sur un total de 94 brides. J'ai réalisé un total de 23 rangs. Donc normalement, vous devez arriver sur 21 cm. Hop, je remonte un tout petit peu. Tac, on arrive sur 21 cm. Maintenant, on va venir changer de couleur. Je défais ma dernière bride. Je la refais, sauf que le dernier jeté, je vais venir le faire avec mon fil beige directement. Comme ceci. Je coupe mon fil écru. Donc là, je vais pouvoir faire un petit nœud tout propre. On va réaliser un rang complet de brides. On va faire exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir le faire avec notre couleur beige. Donc on commence toujours par une maille serrée, une maille en l'air. On met notre petit marqueur et on refait un rang complet de brides. Pour le deuxième rang avec notre couleur beige, on va venir faire une bride normalement. Une maille serrée, une maille en l'air, un jeté et la deuxième bride, pardon, on va venir l'envelopper par l'avant, comme ceci. Vous voyez, on glisse le crochet derrière la bride. Et on vient donc faire une bride en relief avant. Un jeté, la seconde bride, on la prend par l'arrière. Comme ceci, une bride relief arrière. Une bride relief avant. Une bride relief arrière. Et on va alterner sur tout le rang. Une bride relief avant. Une bride relief arrière. Et on terminera le rang par une bride normalement. Donc une bride relief avant, une bride relief arrière. Et donc on termine le rang par une bride en relief arrière et une bride normale. On tourne et on va garder la continuité de notre motif qui se dessine en côte. Du coup, on pique dans la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air. On commencera chaque rang par une bride et on le terminera à chaque fois par une bride. Un jeté. Là, on a une bride en relief avant. Eh bien, on la travaille. en relief avant. Là, on a une bride en relief arrière. Eh bien, on la travaille en relief arrière. La bride est en relief avant. On fait une bride relief avant. Derrière, on a une bride en relief arrière. On la travaille en relief arrière. Vous voyez? Et on va faire ça donc sur tout le rang. On termine le rang numéro 26, donc par une bride en relief arrière et une bride normale. Donc là, si vous voulez, on peut venir mesurer. Sur cette partie-là, on tombe sur 23 cm. On va repartir donc avec la boutonnière directement sur la partie interne. Donc on va rester dans cette configuration-là puisque maintenant on va venir travailler sur l'intérieur de la veste. On va venir réaliser 2 mailles serrées dans chaque rang. Donc normalement déjà d'ici à ici, si on a fait exactement le même modèle, on doit tous avoir 26 rangs. Donc 26 plus 26, 26 fois 2, ça fait 52. Donc normalement, arrivé ici, au premier rang qu'on a travaillé, vous devez avoir un total de 52 mailles serrées. Donc on va commencer ensemble. On commence par une maille en l'air et on va venir faire, en enveloppant à chaque fois la première bride du rang, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, je vais remettre mes petits marqueurs. De nouveau, dans la bride suivante, 2 mailles serrées, 1 et 2. De nouveau, dans la bride suivante, vous voyez, on vient vraiment envelopper la bride. 1 et 2. De nouveau, dans la bride suivante, 1 et 2. De nouveau, 1 et 2. Et on fait ça donc tout le tour. Je vous propose qu'on se retrouve tout de même ici. On arrive à la partie de la maille chaînette initiale. Vous voyez ici, là, toute cette partie-là, on a des brides pleines à travailler jusqu'ici. C'est la maille chaînette de base. Donc, si vous avez fait 52, une maille chaînette de 52 mailles en l'air plus une comme moi au début, vous allez devoir faire 52 mailles serrées. 1, 2, 52. Et sur la bordure ici, on va repartir exactement comme au début, 2 mailles serrées dans chaque bride jusqu'à arriver au bout. À la fin de ce rang, donc en bordure de mailles serrées, on peut l'appeler le rang numéro 1 de la boutonnière, on doit avoir un total de 156 mailles serrées. Donc là, je retire mon petit marqueur et on va reprendre avec un rang complet de brides. Sans augmentation, sans diminution. Donc on pique directement dans les 2 brins de la dernière maille serrée. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On remet notre petit marqueur et on fait un rang complet que de brides. On ne fait que des brides. Donc on doit faire 156 brides. À la fin du rang numéro 2 de la boutonnière, voilà le résultat. Donc là, on va enchaîner avec le rang numéro 3 pour laisser donc les petits espaces pour venir positionner nos boutons. On va venir de nouveau travailler en bride avec des reliefs avant-arrière pour continuer donc notre motif que l'on a en bas. Pour ça, on va compter. Donc là, c'est juste mon marqueur. Voilà. Et vous allez venir mettre des marqueurs comme moi. Donc normalement, on doit tous avoir un total de 156 brides. Je vais compter avec vous et vous allez positionner vos marqueurs comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on met un marqueur. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on met un marqueur. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, on met un marqueur. Et on va reprendre donc avec des brides en relief avant, en relief arrière. On commencera le rang par une bride normale et on le terminera par une bride normale. Donc on fait une maille serrée, une maille en l'air. On remet, si on le souhaite, un petit marqueur dans la maille en l'air. Un jeté. Et du coup, la deuxième bride, on l'enveloppe par l'avant. Bride, relief, avant. La deuxième bride, relief, arrière. Et on alterne comme ça. Bride en relief, avant. Bride en relief, arrière. Bride en relief, avant. Bride en relief, arrière. Bride en relief, avant. Et là, on arrive à notre marqueur. On fait une maille en l'air et on saute le marqueur. Donc, on ne travaille surtout pas cette bride-là, ni en relief, ni dans les deux brins. On vient travailler directement la bride suivante et on fait une bride en relief avant. Donc là, on reprend. Relief arrière. Relief avant. Et on fait ça jusqu'au marqueur. Relief avant. Et là, on atterrit de nouveau sur un marqueur. On fait la même chose. Une maille en l'air, un jeté, on passe cette bride, on pique dans la suivante et une bride en relief avant. Et on reprend avec notre motif. Donc relief arrière, relief avant, jusqu'au marqueur suivant. Donc là, on arrive au troisième marqueur, une maille en l'air, on saute cette maille, on pique dans la bride suivante et une bride en relief avant. Et là, on va faire notre motif, donc tout le tour, jusqu'à arriver à la dernière maille et on fera une bride normale en piquant dans les deux brins. Donc, à l'issue de ce rang, on a formé l'espace pour les boutons. On viendra coudre après ce dernier rang de la boutonnière, les petits boutons en face. Donc là, on va refaire exactement la même chose. On va simplement faire des brides à l'emplacement des mailles en l'air. Donc, on débute notre rang toujours de la même façon. Une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Un jeté, la première bride qui se présente est une bride enveloppée par l'avant. On la travaille en relief avant. La seconde est en relief arrière. On l'enveloppe par l'arrière. Et on va alterner comme ça jusqu'à arriver à la première maille en l'air. Arrivé du coup à notre marqueur, ici, on fait, là où on a la maille en l'air, une bride normalement. Et on reprend en suivant les brides telles qu'elles se présentent à nous. Quand elles sont par l'avant, on les travaille par l'avant. Quand elles sont par l'arrière, on les travaille par l'arrière. De nouveau, on a la maille en l'air. On fait directement une bride et on reprend en enveloppant par l'arrière, puis par l'avant. Et de nouveau, là où on a la maille en l'air, une bride normale. Et on reprend. On enveloppe par l'arrière. Et on termine par une bride en piquant directement dans les deux brins de la maille en l'air du rang précédent. Une maille en l'air, on coupe et on viendra cacher notre fil. On va ensuite venir en face des petits trous, coudre nos boutons. On avait fait un rang de maille serrée, un rang de bride normale, puis deux rangs de bride enveloppée. Au niveau du premier rang de bride enveloppée, on va venir coudre les boutons en face des petits trous. On va ensuite réaliser la manche. Vous allez voir, c'est super facile et je vais mesurer celle que j'ai déjà réalisée. Du coup, hop, vous voyez, j'ai ajouté environ 11 cm pour un total, donc, du col à la manche de 21,5 cm. Donc là, moi, je suis arrivée au terme de ma première pelote écrue d'Elanna. Du coup, je prends ma deuxième et on va venir rattacher notre fil. Donc, on va se repositionner pile en dessous du bras. Vous voyez, vous pliez et vous repositionnez en dessous, n'importe où. On rattache notre fil et exactement au même endroit, on vient réaliser une maille serrée. Oups. Donc, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Donc, on peut revenir mettre des petits marqueurs et on fait donc un tour complet de brides. Donc, normalement, si on a fait le même modèle, vous devez avoir un total de 40 brides. Donc là, une. Dans l'espace à côté, deux. 3 et 40. Donc là, on a mis notre petit marqueur, on le retire et on vient faire dans les deux brins de la maille en l'air. Quand on a fait une maille serrée, une maille en l'air pour faire notre première bride, on fait une maille coulée. Et maintenant, ce qu'on va faire pour garder la continuité du motif ici, on ne va pas travailler en spirale, sinon on n'aura pas les deux bandes, vous voyez, comme là, qui vont continuer d'apparaître. On va devoir à chaque fois alterner. Un coup, on ira vers la gauche et un coup, on ira donc toujours vers la gauche, mais en ayant tourné notre ouvrage. On va le commencer ensemble de toute façon. Et à chaque fois que je commencerai un rang vers l'intérieur, là, j'ai fait un rang du côté extérieur et là, du coup, je vais faire un rang du côté intérieur. À chaque fois, avant de le débuter, ce rang à l'intérieur, je viendrai ramener ma boucle comme ceci, à l'intérieur, là où mon fil se trouve. Donc, on tourne et on débute. Vous voyez, là, on a une, deux brides. On va venir vraiment débuter ici, sur la première. Et on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme la première bride. Et on enchaîne avec des rangs de 40 brides. Donc, en faisant comme ça, en alternant, en faisant un coup, un rang à l'extérieur, un coup, un rang comme ici à l'intérieur et en ramenant la boucle à chaque fois qu'on sera sur le rang intérieur à l'intérieur, on aura un minimum de démarcation. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, pour l'autre manche, vous voyez, comme ça on a vraiment un minimum de démarcation. Là, et en plus, là c'est parce que je tends, hein, si je ne tends pas, et après mon blocage, vous allez voir qu'on verra quasiment plus rien. Moi, je trouve que c'est super important de travailler de cette façon-là. Donc, je vous laisse réaliser jusqu'au rang numéro 11, que des rangs de 40 brides, et on se retrouve au rang numéro 12. Donc là, j'ai réalisé 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Pour le rang numéro 12, on va commencer hop, par faire une bride normalement, une maille en l'air, suivie d'une diminution. Donc on pique dans les deux brins, un jeté, on ramène. On pique dans les deux brins, un jeté, on ramène. On fait un jeté, on passe à travers 3 boucles. On fait un jeté, on passe à travers les deux derniers boucles. Et on reprend normalement avec que des brides. Et à la fin du rang numéro 12, on doit avoir un total de 39 mailles travaillées. Et 39. On ferme par une maille coulée. Donc on a fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. On pique dans les deux brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. On tourne. Et pour le rang numéro 13, le dernier rang avec la couleur écrue, on va faire la même chose qu'au rang numéro 12. On commence par hop, une bride, Donc on fait une maille serrée, une maille en l'air, un jeté, suivi d'une diminution. Et on reprend qu'avec des brides. Et à la fin de ce rang, on doit avoir un total de 38 brides à travailler. Et on termine le rang par une maille coulée. On tire sur la boucle et là où notre fil dépasse derrière, on passe le crochet et on ramène la boucle à l'arrière. Une maille en l'air et on coupe le fil. Vous voyez, ça c'est plein de petites techniques pour qu'on voit le moins possible les démarcations. Donc là, on va venir prendre le fil beige et on va le rattacher. Donc là, on s'est arrêté. On pique dans les deux brins. Donc, un jeté. On passe, une maille en l'air, petit nœud. Pour le rang numéro 14, on va venir faire un rang complet de brides. Donc avec le fil beige, on va venir faire 38 brides. Donc on commence toujours par une maille serrée, une maille en l'air. Et on fait 38 brides en piquant toujours dans les deux brins. On pique dans les deux brins de la maille en l'air et on fait une maille coulée. Directement dans cette configuration-là, on tire un peu sur notre fil et on enveloppe la bride en dessous. On fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride enveloppée. Donc là, on va venir travailler avec notre motif. Bride en relief avant, bride en relief arrière. Donc là, on enveloppe par l'arrière et on alterne comme ça sur tout le rang. Donc on répète. Un coup, on enveloppe la bride par l'avant. Un coup, on enveloppe la bride par l'arrière. Et on fait ça sur tout le rang. Donc là, on vient piquer, quand on a fait une maille serrée, une maille en l'air, on ne vient pas piquer dans les deux brins, mais cette fois on vient envelopper. On passe le crochet comme ceci et on fait une maille coulée. De nouveau, on enveloppe par une maille serrée, une maille en l'air. Et pour le dernier rang, on suit simplement le motif. Quand on a des brides en relief arrière, on les travaille en arrière. Et quand on a des brides en relief avant, on les travaille en avant. Pour un total de 38 brides travaillées. Et on termine cette fois-ci par une maille coulée. Et on tire la boucle à l'intérieur. Une maille en l'air. On coupe notre fil. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!